Nous, notre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombad Media là, là depuis Bombad Police. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou encore avec une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Bombad Media Now et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombad Media Now là. Et bien, nous pas perdre de temps, n'a pas commencé. Cool, yeah. Bam! D'ailleurs, c'est lui qui fait que nous avons pile de turbulence, pile de problème. Et en pile, bagarre parfois que nous devons, ces décisions que nous avons pour nous mettre l'État en service peuple. Vous ne pouvez pas nous combattre force fermée qui veut tomber l'État en otage. Volonté PAM, c'est être griffe même. Tu comprends que l'État c'est mieux, que l'État c'est pour vous. Référendum sous constitution à l'élection, c'est deux plus gros outils que peuple a gagné en main pour décider qui j'en voulais pour payer l'organisé. Qui m'a dit arrivé et qui bénéficie de rejoindre pour peut-être pas, pour petit et petit. Comment vous comprenez une peuple? Nous avons droit pour dire comment il veut pour le diriger, pour le diriger lui-même. Comment vous comprenez en dame en constitution et le peuple à dehors la même. Comment vous comprenez une constitution le groupe même qui est le diaspora qui est dehors la même. C'est le peuple qui veut décider pour dire mais qui est-ce qu'il veut pour venir diriger. Pouvoir pas prendre un petit passe-coute. Pouvoir pas prendre nos amitaires. Nous pas un petit passe-coute. Nous pas nos amitaires. Pouvoir peuple. Pouvoir prendre élection. C'est peuple là qui vous bat le pouvoir et c'est lui qui peut choisir nous qui lui fait confiance. C'est peuple là qui doit mettre destin. C'est lui qui doit mettre destin dans le choix de faire. C'est pas personne. L'homme doit aller, le monde a peuple pour dire que nous sommes pas gros ennemis, nous sommes nous gros ennemis politiques, nous gros ennemis économiques. Nous sommes gros ennemis, peuple haïtien. Nous sommes pour nous donner le pouvoir d'aller, pour nous-mêmes choisir nous qui nous diriger. Et j'aime quand nous avons le pouvoir d'aller, c'est dans l'élection. C'est là. On est venu diriger le pays, sous ta première, transition finie, on a un peu. Ça finit. Pas rien ça encore parce que Farine n'a pas venu dans le même sac. Pas rien de pression, on va lui parler du président, on va voir que le problème, le seul problème que nous avons dit, c'est un problème d'élection. On va dire tout le monde, chaque pays a une boîte à acheter, il y a des boîtes, il y a des membres. C'est ça le dire pour nous faire. Mais si c'est maintenant du héros de toujours, tu as toujours fait 1% dans l'élection, 0,5%. Après vous, dans l'élection, tu n'as pas de temps pour le carreau, tu as le carreau pour le carreau pour le carreau. Pour tout le monde qui peut dire, il a dit, ça a bien comme le héros. Moi, mon héros, même sur mon job, moi, le héros, c'est pour la retraite. Ça veut dire, l'État me prête le peuple à 25 ans, c'est ça. Après 25 ans qu'on fait, une fonction publique là, il me retraite. Même dans la politique là, parfois, il me retraite. Il me retraite, il me retraite. Depuis 34 ans, c'est seulement trois présidents qui ont reçu le mandat. Je ne peux pas oublier, nous avons dit, nous avons reçu le 7e président. Après 34 ans, nous parlons pour tout le président. Parce que je vais me réserver le président. N'oubliez si le général Abraham fait 48 ans, président. N'oubliez ça. C'est pour nous mettre tout le président. Ça veut dire que c'est 19e président. Pour nous supposer 7e. Ça veut dire que 12 présidents passés qui peuvent être supposés présidents. Pendant 34 ans, c'est pour montrer dans le problème. Nous passons 33 premiers ministres. Ça veut dire que les premiers ministres ont passé en moyenne seulement une année dans le gouvernement. Comment vous dites
pour capable mener une politique de développement dans le pays. Comme même constitution, ça dit le président est un ministre. Ça veut dire que le président vient retourner son premier ministre qui est là pour implémenter toute action, toute promesse président. Le premier ministre n'a pas qu'à faire. Mais lui, c'est pas un cap, c'est une réalité. Il n'a pas qu'à faire plus qu'un an intergouvernement. Nous-mêmes, nous sommes exemples. Nous cadrons sur le cadre de l'Église. Ça veut dire pour nous dire que nous comprenons, nous n'avons pas qu'à parler de développement comme ça. Je veux dire, APCAP, c'est pour nous poser. Vous savez dans le pays d'Haïti, vous intellectuels, vous mettez pour nous, nous n'avons pas de moyens pour continuer à faire le pays à ça. Nous entendons dans le monde qui a demandé pour force morale pour mettre tête ensemble. Nous voulons mettre tête ensemble de position. Nous voulons dire force morale pour mettre tête. C'est force immorale qui met tête ensemble de position. Mais dans une élection, nous faisons un travail. Première élection, nous le faisons. La première élection, nous devons mettre une élection ensemble avec un candidat pour le président. La deuxième élection, nous devons candidat pour le président. Deuxième élection, ça a fait, qu'on y a aujourd'hui, vous calculez la politique, pas comme côté, ce sont, qui fait, vous montrez que c'est la première élection de passe. Mais vous voyez, si c'est le cas de la première élection, on n'a pas qu'à bénéficier de propre erreur. Tout est cas de la première élection, au fond, il coûte. Maintenant, qu'on y a, ça va nous faire, comme par le une nouvelle constitution du référendum, mettez là-dedans après chaque 50 présidents, former une transition. Mais ça va prendre la loi. J'ai 17 à 10 peuples haïtiens, hein? Les nouvelles fait noir, qu'on est du poil joue. Depuis après 86, journée jeudi, arrivé dans le mandat président Jovenel, là, nous passons en pile problème. Pour pouvoir à transition, si nous avons tout maman, nous avons tout papa. Yo. Et j'ai déjà dit, tant pour le président Jovenel fait 5 ans mandat là, yo pito Haïti boule ensemble. Jouet la malouk, moret depuis au pas. Adversaire, reteke. Et fait moi trace là. J'ai dit cette en bas. Peuple haïtien ou en bas. Nous comprenons. Ou ap courir derrière le président Jovenel pour ne pas faire 5 mandat là. Ou fermer DG ou. Ouvrir bouchou, j'ouvre des oreilles. Ou ap tant de mamel transition pour soucer. Et vous avez déjà dit, peuple là, barricade là, c'est avenir. Quelle sottise. Quand vous venez à kidnapping pour faire peuple là relayer contre le président Jovenel, bien compté, mal calculé. Si mal, si c'est pouvoir, si c'est transition, sous besoin pour un pouvoir, c'est dans l'élection pour aller. J'ai 17 à 10 président Jovenel, lui camper bon côté pour faire 5 ans mandat là. Et j'ai 17 à 10 président Jovenel, pour le dégager, le coup Jean-Jacques, pour le faire référendum, non, pour le faire élection, pour le remettre pouvoir, pour le remettre échappe là, 7 février 2022, bayon l'autre président élu. Cette question de l'article 134-2 que en pile monde, soi-disant de l'opposition démocratique et populaire, a essayé manigancer pour capable préparer coup d'État contre le peuple, contre volonté population, eh bien, article ça n'a pas rien pour eux avec président Jovenel Moïse. Pour la vérité et pour l'histoire, Adim a li pour le peuple là. Et le peuple là très intelligent, l'a comprendre. Dans l'article 134-1, il a dit,
La durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections. Date élection yo, yo tapral proclamé résultat yo au 3 janvier 2017. Maintenant le 7 février suivant, le 7 février qui suit la date de la proclamation des élections, eh bien 7 février ça, président Jovenel Moïse monté sous pouvoir là constitutionnellement. Donc son mandat commence à partir de ce 7 février qui suit la date des élections. Donc ceci est clair, élection t'est faite sous présidence Joseph Michel Martelly, t'apral annulé avec bien entendu constitution de un comité qui te gen pour al founige garder résultat présidentiel yo. Yo te valide l'autre résultat yo, mais pour l'élection présidentielle, monsieur yo te annulé pur et simple résultat yo. Ça, qui t'a dû bay lieu à un deuxième tour entre Jude Célestin et Jovenel Moïse, eh bien, nèg yo te annulé et voilà que yo te refait. Yo te fait yon l'autre élection. Et c'est dans l'autre élection ça, président Jovenel Moïse gagné dans le premier tour. Capté de l'eau dans différents sous dans la commune Yaska ou Bas, parmi les sous mat dans la localité La Colline, pour elle permettre plus passer 8000 habitants qui vivent dans La Colline, Marché Kassav, localité Flandé, pour ne citer ça ou seulement, joindre de l'eau pour régler l'activité. Mettez sous ça, gagné un parti dans sous sa yo qui capté pour arroser jardin cultivateur dans la commune. Sous mat c'est yon nan 6 sous que nous capté et dans la localité yo pour approvisionner la population. C'est yon sous qui gagne pour débit entre 6 à 8 litres secondes suivant que sinon période la pluie ou bien période sécheresse. Et c'est yon sous tout qui alimente la population directement sans pas même besoin passer par un réservoir. Pour qui ça? C'est parce que li pa trop élevé et puis côté le situé à permettre directement li alimenter population. Directeur général d'INEPA, Guito Edouard, mettait accent sur nécessité qui gagne pour protéger l'environnement travail sa yo, yon façon pour de l'eau continuer couler sans difficulté dans robinet bénéficiaire yo. Nous avons trois périmètres que nous définissons dans le référentiel technique d'INEPA. C'est ça nous le périmètre immédiat sous cela. Ça, la loi fait d'INEPA ou obligation pour définir périmètre immédiat sous cela. PM. Mais gon l'autre périmètre qui est le périmètre rapproché, qui allait au-delà de 100 mètres jusqu'à 500 mètres, ça c'est rôle ministère environnement. Gen un périmètre qui est le périmètre éloigné, ça c'est hydrogéologue pour doit définir ça ne les champ captant soucio pour nous capable toujours kembe soucio en vie pour pas tari pour dire moun yo pas couper pied bois sous tête soucio, pas faire d'autres activités qui capable mettre nos situations. Les gouvernements, les son excellent Jovenel Moïse avec PM là fait nous honneur pour nous visiter infrastructure ça pour apporter un petit temps pour joindre nous information qu'il dit comme ça que l'eau a pas arrivé dans robinet caille moun yo. Faut que nous gourmet pour ça et faut que nous toute ma connaissance pour nous pour ça capable continuer une réalité. C'est UNICEF qui finance première phase projet réhabilitation et renforcement système alimentation de l'eau potable dans la commune Lasca Obas. Responsable projet territoire productif résilient qui gagne le TPR là, démarrer accéléré laboratoire dans trois communes, le département Nipla, le cadre campagne IVA. Travail laboral ça qu'a fait sur 1400 hectares a touché pour l'espace 8000 bénéficiaires de communes en Savo, Tirivier et Payan. Travail laboral ça concerné et 600 hectares de terre qui commençait à labourer et à priver à finalité dans la zone en Savo.
y a 400 hectares de terre qui vient pour labourer dans la zone de rivière et dans la zone barrière, 400 hectares de terre. Nous commençons avec la rivière, avec le côté qui vient le système irrigué Charlie avec Chambrel, et il y a une zone Kaoko qui vient du système irrigué, donc il y a un ensemble. Il y a un système à l'usine, c'est là qu'il y en a plus d'intervention. Oui, les bénéficiaires félicitent l'initiative SILA qui porte un gros soulagement pour eux dans le cadre d'activité agricole. Après 50 ans, avant de préparer un terre, on est là dans 30 minutes, nous avons une quantité de tête préparée. Après ça, on ne peut pas faire marier dans la zone. Alors, ça, trop tard, on est supposé de mettre là déjà. Parce que nous-mêmes, paysans, c'est limité des zones. Pour la bouillie, ça, nous comptons en pile. Ministère agriculture à travers TPR là a porté plusieurs accompagnements par les bénéficiaires projet pendant la campagne hiver. Accompagnement sa yon chita si tout si besoin chaque zone par rapport à climat et puis qu'il dit qu'il doit faire nos zones si là. Gagné et Congo qui a fait dans plein nos côtés qui gagne et système irrigué et là nous prenons dans le monde dans côté qui dans montagne humide n'a gagné et près de 1295 kilos chaud qui va le faire. Gagné on campagne pour Kaoto, gagné Inyam qui va le faire dans le monde tout. Et si nous gagnons des chiffres, nous avons gagné près de 436 000 pieds bananes qui balbaillent dans la zone. Et gagné près de 57 000 sacs de compost qui est en préparation, qui balbaillent pour nous capables de faire campagne. Ça. Parce que vous connaissez ça, politique, ministère de l'Agriculture, c'est travail pour permettre tout le monde capable de produire et pour les fins de produire pour le moyen. Pour être capable de faire toute activité au besoin. Ça veut dire que c'est un paquet d'affaires de l'Église dans le ministère de l'Agriculture en tant que directeur départemental. C'est pour raison ça veut dire que je suis obligé de déplacer pour venir regarder qui s'est fait dans la rivière. C'est le groupe mondial qui finance le projet Territoire Productif Résilient, TPRLA, qui impliquait le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement. Projet ça rentré dans le cadre de marche administration en place là à travers le ministère de l'Agriculture. Pour capable produire nos jeux dans quatre batailles contre insécurité alimentaire. Planter Avenir a pour objectif encourager cultivateur café qui dans tout pays a investi plus dans filière ça et puis permettre Haïti retourner une plus gros exportateur café dans monde là Jean Sartre dans l'année 1810 yo. Là, nous dans localité Auberger, 5e section communale Saint-Louis du Nord, c'est une deux sites côté première dame nan Martine Moïse implanté programme Planter Avenir. Son merveille. Une merveille et lien secondaire pour nous. Dès que nous recevons dans la cour matin, je suis bien content pour voir un ami tonne. Et puis, nous avons dit son histoire. Si tu as bon, pas qu'on soit gagné, tu as pris note. Si tu as quelques secrétaires pour ta là, pour recevoir une telle situation. Parce que ça veut qu'on fait. Dans le territoire d'Haïti, pour première dame de la République, il n'y a rien jusqu'il a pour la mi-temps. Ça fait un dadou bienvenu. Nous recevons là. Et nous avons dit la quoi pour vous connaître. L'autre institution, tant que ministère environnement, ministère agriculture, ministère conditions femmes et puis Institut national café d'Haïti, assisté première dame dans l'initiative, ça, il y a quoi qui a contribué à la relance économie nationale là. Responsable expliqué, il y a un pile effort qu'a fait pour permettre programme Planter Avenir concret et durable. Le ministère de l'Environnement lance une grosse stratégie qui est entrée dans toute une décennie 2021-2030. Il parlait de planter de l'eau ou récolter de l'eau. Et je vous dis, que mesdames m'ont venu avec vision ça et qui est entrée en donne. Parce que je m'a regardé, ça me découvre. L'environnement, c'est lui du Nord. Je vais regarder tête monio, mais on va gagner espoir dans le pays. Mais pour espoir ça, lui donner, eh bien, planter l'avenir, c'est important. Il choisit
dans le domaine, une, la filière que le président pays a parlé en pile de lui, c'est café. Malgré l'importance dans le gagné pour l'environnement et l'économie pays, nous, quantité de qui produit café sur tout territoire national là, diminue chaque jour plus. Nous passons de 171 000 hectares en 1950 à 120 000 hectares en 1955. Après passage cyclone Mathieu, dans l'année 2016, c'est moins passé 60 000 hectares qui étaient à café là-dedans. Diminution de quantité de terre qui gagne café sur l'eau, avec maladie qui tombe sous le café, avec quelques facteurs encore la cause, quantité de produit en Haïti a diminué considérablement. Du passé de 400 000 sacs de 60 kg en 2000 à 2001 à moins que 300 000 sacs en 2011. Première dame Martine Moïse cite 4 aspects qui montraient l'importance du programme Planté Avenir. Parmi eux, autonomie l'argent, femmes et garçons qui travaillent dans la filière ça. L'idée, c'est de planter 1 500 000 plantes de café à travers tous 10 départements pays. L'important est pour nous tous supporter ce café. Parce que avantage avec opportunité lui offrir ce marché international, là, je veux dire, ça permet de nous avancer sur le chemin de développement. Femme, planter en vue la pour les bio, rénover et régénérer plantation café au cap départ. La et bio, mettre jeune plantation café, bon côté café qui l'a l'intérieur et qui finit tout le grand monde. La aide à augmenter la quantité de pain qui plante café à la quantité de monde qui a besoin de café dans le département. Deux catastrophes fondamentales, projet planté avenir pour le pays. Sur le plan économique, projet ça a permis à chaque famille de jouer moyen pour vivre après le fini de café. Et puis tout, la permet de produire plus de café pour nous vendre le pays ici avec le pays l'étranger. Sur le plan environnemental, c'est le monde qui a protégé. C'est le pays qui a apprivoisé. Sur le plan social, planter en vie a permis à tous les cultivateurs et organisations de planter café de regrouper tête pour qu'ils travaillent ensemble parce que c'est le monde qui a ensemble qui a traversé. Grâce à la formation qui fait pour les femmes qui produisent café, un pile pied café déjà planté dans l'ouest, sud et nord-ouest pour la reproduction nationale. Là. Lancement programme Planté Avenir déroulé dans une ambiance combite. Côté plusieurs associations femmes paysans, remettre première dame nan akres autorité qui te fait partie délégation, plusieurs paniers produits qui sortent dans jardin yo. Espérer accueil ça. Ça fait me sentir que là, côté me sortir, parce que c'est nos plantations où ça me sortir. Oui. En droit, me sentir c'est la caille moi. Et m'a regardé les yeux. Comme si c'est papa pam qui a gardé. L'aime tout petit la pram, pour aller dans le jardin, pour aller manger des bananes. Ah ouais. Donc, là, ouvrir la croix, bon, moi, c'est la caille moi encore. Pour n'importe caille moi, ouvrir bon, moi. Elle me dit merci et va rentrer à quel content. Vous connaissez l'eau, vin la caillou, toute charge caille là, c'est pour vous. Oui. Je ne vais pas dire dommage. Mais je ne vais pas des chances. Parce que le président Jovenel, de vous porter des doléances au Mali, va passer des doléances par le ministre, et puis ça qui pour venir pour la population, arriver pour la population. Parce qu'il a dit tirer ça pour le peuple là, même dernier tirer ce café, il vient porter là. Bravo. Donc, moi, je vois là, c'est vrai. Ou pas gagner l'hôpital, c'est vrai. Tout ça, yo, c'est donné. Je suis porté par le président Jovenel. Comme je dis déjà, le président Jovenel passé à munition. Et puis le sang pour ça, pour la population, comme une population. Donc encore une fois, je vous remercie de tout cœur. Parce que moi, côté de mon il reprend mon corps, il embrasse mon corps. Et je suis content de retourner la caille. Merci. Merci beaucoup. Dans le budget, café à planter soit un abri provisoire ou bien un abri définitif. Un abri provisoire, c'est soit masque de banane, définitif, c'est
sapin, groupe qui boit ça aussi. Et ils sont ça cachés avant, ils sont pour cacher avec nous. Bonjour, soin. Tout fonctionne le cas. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petit cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.